Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 42e épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon version Heart Gold. Dans l'épisode précédent, on est arrivé à Azuria, on a visité la ville, on a été à la centrale, on a chassé le gars de la Team Rocket, on a récupéré le générateur de la centrale, enfin la pièce du générateur. Et on est de retour à Azuria. Maintenant, il va falloir qu'on trouve Ondine. Salut Olivier, comment tu vas? Donc maintenant, il faut qu'on trouve Ondine. Et puis après, le reste va s'enchaîner assez vite, je pense. J'espère que tout va bien pour toi, Olivier. Le pont pépite où on gagnait une pépite, comme son nom l'indique. Dans Pokémon Jaune, là, il y avait le Salamèche, je crois, à récupérer. Balessi dresseur pour gagner un prix. Tu crois en être capable? Je pense en être capable. Et bah je vais bien Olivier, merci beaucoup. J'espère que ton week-end se passe bien. Débattu élève Benoît. Waouh, balèze! Je suis en deux, ça va barder. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Fillette Gaël, elle a un gros doudou. Je sais pas si on l'avait encore déjà vu dans le jeu, gros doudou, je m'en rappelle plus. Bah ouais, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, et puis par contre il fait toujours très très chaud, pas forcément agréable, mais j'ai passé une bonne journée aussi. Et du coup j'ai un peu le temps de jouer aujourd'hui, donc je fais un petit stream pour avancer dans le jeu. Ça c'est le truc un peu bête, on va assurer en se disant tiens je vais pas utiliser trop de PP d'une attaque et au final on le tue pas avec l'autre attaque. Vous avez battu Fiat Gaël? Impossible! Eh oui je t'ai battu Gaël. Numéro 3, tu vas en baver. Ok, j'ai pas peur de vous. Sac de nœuds, ok. Coup critique. Et un Aquali. Bon, je vais pas changer, même si je vais peut-être le regretter, mais. De battu élève Joël. Oui, perdu. Bonjour Ryu, c'est Mathis, tu es en forme? Un combat à s'entraîner, c'est la santé. Je suis sur la route 38. Ok Mathis, pas de soucis, mais j'ai pas le temps de venir te voir.
Aya, je suis le quatrième, laisse-moi être ton adversaire. Mais vas-y, viens combattre, ça, ce sera avec plaisir. Ok, il a un Nidoking, Campeur Stéphane. Niveau 46, ce qui est pas mal. Top. Il faudrait que j'appelle la pension pour savoir à de combien de niveaux ont monté mes Pokémon. Ça c'est hors de question parce que après il a un tour de vide donc ça ne sert à rien. Wow, trop fort. Allô, c'est bien You? Ah, c'est toi, vite t'avoir à propos, ton carnival est monté de 12 niveaux. Ton mini draco est monté de 22 niveaux. Tu peux passer quand tu veux pour voir ton Pokémon. Comme je sais plus à quel niveau ils étaient quand je les ai laissés. Je crois que Mini-Draco était assez faible, mais... Numéro 5, tu tiens le coup? Dernier rempart, autant te le dire, ça va être dur. Fillette Laura et Fillette Diane veulent se battre. Hop, allez. Ce n'est pas très efficace, mais ça passe quand même. PV du forum sont un peu restaurés par Golokok. Thank you.
C'est super efficace. Filetora et Viadiane ont perdu. Perdu? Moi aussi? Sans blague. Comment ça je peux pas y aller? Ok, c'est pas grave. Je n'ai aucun rapport avec les ciseaux de dresseur. Je suis juste là pour te battre au moment où tu es le plus à plat. Ça, c'est une arnaque, monsieur. On va pour Aigon, il est KO. Vous avez battu un Telo Artus. Artus, c'est pas vrai, t'es jamais à plat toi? Et non. Ouais, là j'ai l'arbre pour récupérer la Pokéball aussi. Mais je pensais que je pouvais passer de ce côté-là, mais... De la protéine, c'est cool. En tout cas, merci Olivier de me l'avoir signalé. Qu'est-ce qu'il veut de mon calcium là, les petits Pokémon? Tu as eu un combat de plus que prévu et tu as quand même gagné. Tu mérites bien ton prix. Obtenu une pépite. Ouais, bon, il donne toujours la pépite comme dans Rouge, Bleu, Jaune. Bien, maintenant que j'ai vu ton niveau, j'aimerais bien tenter ma chance. Ça te dit? Et là, j'ai pas le choix de. Ça le fait automatiquement. On dit pas oui ou non. C'est j'aimerais bien tenter ma chance, mais t'as pas vraiment le choix, quoi. Allez, un petit one shot, même si c'est une ampleur 5, ça passe, c'est cool. Vous avez battu ta dresseur Kevin. C'est la première fois que je fais un si beau combat. C'est un superbe combat, vous êtes vraiment fort toi et ton équipe. Merci beaucoup Kevin.
Villa du Cap, chez Léo. Ah, tu es pour mon petit-fils, il s'appelle Léo. Il travaille au jeu sur des PC, je crois. Alors moi, je m'occupe de la maison en attendant. Mon petit-fils m'a parlé d'un Pokémon tout rond, au corps sombre et avec des feuilles au sommet de son arbre. Au sommet de la tête. Si tu as ce Pokémon, tu aurais bien me le montrer, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Enfin, je ne pense pas. À moins que ce soit Tournegrain, mais bon, on va tenter Tournegrain. Mais je pense pas que ce soit lui. Ce n'est pas le Pokémon dont on m'a parlé. Bon bah tant pis. On aura essayé. Et normalement, bah. Ah oui, j'allais dire, la petite Ondine, elle doit être dans le coin. Oh, il part comme un lâche. Ah, pourquoi t'es là, toi? Tu nous as dérangé. Alors laisse-moi te dire une chose, les gens comme toi, c'est bon qu'à gâcher l'ambiance pour les autres. Oh, t'es batch, ils viennent des arènes de Johto? Si tu en as 8, c'est que t'es pas une mauviette. Ok, viens à l'arène d'Azuria, je t'attends. Je suis Ondine, le champion d'Azuria. Elle est désagréable, Ondine. Oui, Bimbo. Coucou, c'est moi, Bimbo, tu vas bien? Il y a le concours de capture aujourd'hui, tu étais au courant? Je suis pas fan des Pokémon insectes, mais le parc naturel est au près de la route 35. Alors j'aimerais y faire un tour, une fois, juste pour voir. Ouais, je suis au courant, mais malheureusement, on m'a dit que c'était terminé le concours, alors... On va soigner les Pokémon, mais je vais clairement pas utiliser le Donphan dans l'arène. On a Faramp qui est prêt, qui est en forme. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont super forts maintenant. À une prochaine fois peut-être, à une prochaine fois infirmière Joël. Alors là, il y a un marin déjà. Après tout ce repos au bord de la piscine, je suis rechargé à bloc. Ça marche. Notre fan a gagné 786 points d'expérience. Ma recharge ne suffisait pas. Gloops, c'est moi le premier, à l'attaque. Hippotrempe est envoyé par Marin Siegfried. Vous avez battu Marin Siegfried. Impossible. Eh oui, je t'ai battu Siegfried, désolé. Désolé d'avoir été absente, on y va.
Vous avez battu une nageuse Diana. En natation, il n'y a pas que la vitesse qui compte. La grâce des mouvements est absolument essentielle. Ça, c'est des bons conseils de natation. Les mouvements sont très importants au début. Bien maîtriser les mouvements et après, la vitesse va venir. C'est pour ça que je suis pas bon en piscine, je maîtrise pas bien les mouvements, mais... Ma gracieuse nage t'intimide, il ne faut pas. En tout cas, on dit Nalan a des dresseurs dans son arène par rapport à avant. C'est super efficace. J'ai battu une nageuse Brianna. Pour l'intimidation, c'est raté. Quel sang-froid! Ah, enfin, tu vas voir ce que ça coûte de gâcher mes rendez-vous. Tu as peut-être plein de badges de Johto, mais tu vas quand même te prendre une sacrée raclée. Tu ne peux rien contre mes Pokémon de type O. Ondine, je crois qu'il faut que tu te calmes un petit peu. C'est une auto quand tu vas. On va essayer de réduire à néant Ondine parce que elle a une grande bouche, mais ouais, chaudement aussi, il fait trop chaud. Tu sors à peine de la douche, t'es tout de suite en sueur. Là, j'ai le ventilateur là, qui tourne à la maison, mais j'ai pas la clim par contre, donc. Je m'en doutais. Ça me manque d'un Pokémon plante pas trop mauvais. C'est pas ce que j'espérais. Ouais, bah oui, forcément le ventilateur les brasse de l'air chaud, mais... Aïe. Ça, c'est pas cool, monsieur Marastre. On va faire autre chose. Alors, je pense que ça a pas marché fortement, mais je pense que Tournegrain, ses attaques de type plante, ça doit faire du x4 sur le Marestre. Mais je pense qu'il va mourir. Du coup, je vais envoyer Alligator.
Et non, il résiste, il résiste. Trop rapide pour moi. Ça c'est vraiment le problème de Tournegrin, il est vraiment, enfin il est trop faible quoi. Non mais j'ai gagné le concours en fait, concours du parc naturel. J'ai gagné la semaine dernière, mais j'ai eu une pierre lune, j'ai pas eu la pierre soleil. En fait, c'est aléatoire. Une fois qu'on a fini la ligue, c'est aléatoire, et avant la ligue, tu as toujours une pierre soleil quand tu gagnes. Et forcément, bah moi, j'ai réussi à faire le concours quand j'avais fini la ligue, donc je me suis fait arnaquer là-dessus. Ouais, tu peux gagner jusqu'à enfin toutes les pierres possibles, donc. Et là, je suis tombé sur une pierre lune. Donc forcément ça aide pas non plus. Ouais, j'ai gagné, j'ai chopé un Scarabrut de niveau 28 et ça m'a permis de gagner le concours. Mais c'est pas suffisant pour avoir la pierre. On y arrivera un jour, hein, sûrement quand on aura fini le jeu, mais... Bon après, ça va, j'ai pas trop l'occasion de l'entraîner non plus, donc... Salut MD Skill, ouais, je te montre ça juste après. Une fois que j'ai battu Ondine, je te fais voir. Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Il m'embête le Staros là. C'est pas possible, Staros, franchement, à un moment donné, arrête de me geler. Lazerglas c'était pratique pour les Pokémon légendaires aussi, pour les Sulfura, etc. Forcément, la petite folie, hein. Oh, entre le gel et puis la folie, il nous met bien Staros. Je pensais que ça allait être plus rapide que ça pour battre Ondine, mais a fait de la résistance. Bon là, ça devrait le faire, devrait être battu. C'est super efficace. Et niveau 65 pour Faramp normalement. Débattu, champion Ondine. Ah, déjà fini? Et ouais, Ondine, ton Staros m'a posé quelques problèmes quand même. Ok, je reconnais que t'es loin d'être naze. Tiens, voilà le badge cascade. Ok, you reçois le badge cascade d'Ondine. Merci pour le GG, Naoto. Et ça fait le 13e badge. Il nous en manque plus que 3. Et encore une chose, pour que tu te souviennes de ton duel contre moi, je te donne ça en plus. C'était 0-3. Dedans, tu trouveras Vibraquois. C'est une capacité qui peut aussi rendre l'ennemi confus. Tu as remporté tous ces combats depuis ton départ de Johto, je suis sûr que tu sauras t'en servir à bon escient. Alors, MD Skill, mon équipe, elle est composée de Faramp niveau 65. Attends, on va faire un petit résumé. Ensuite, j'ai un Dunphan niveau 56. Là, actuellement, dessus, j'ai un Multi-Ex qui rattrape un petit peu les niveaux. J'ai Alligator qui est niveau 66. J'ai un Xatu qui est niveau 60.
J'ai mon petit tournegrain qui est niveau 38, mais c'est une catastrophe. En fait, j'ai pas la pierre soleil pour le faire évoluer. Et j'ai un démolos de niveau 60. Voilà, donc mon équipe, j'ai essayé de varier un petit peu les types pour pouvoir affronter toutes les faiblesses possibles. Mais ouais, j'ai le petit regret sur le tournegrin parce que j'aurais bien aimé qu'il évolue en Eliathron. Mais c'était pas le cas. Bonsoir Ryu, c'est Sean, encore debout? Oh, j'ai eu du mal à battre un maestro l'autre jour. Je n'avais jamais vu de maestro aussi fort. On devrait toujours faire attention. Déjà, on va aller se soigner. Merci d'avoir attendu. Vos Pokémon sont super forts maintenant. À une prochaine fois peut-être. À une prochaine fois, infirmière Joël. Twitch, on va continuer tout de suite. YouTube, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Pokémon version Hot Gold. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Ciao.